On est en route pour aller randonner dans le Queyras pour une semaine. Aujourd'hui, on emmène Dominique qui nous vient du Morvan. On va se retrouver un petit groupe de 20 personnes, donc 4 personnes en joëlette, plus une personne non-voyante qui marchera. Alors, la joëlette, c'est un fauteuil qui n'a qu'une roue, qui passe absolument partout où quelqu'un va à pied. Ça permet aux personnes qui ont perdu la mobilité ou qui ne l'ont jamais eue de pouvoir accéder à la montagne comme tout le monde, vivre la randonnée comme tout le monde peut avoir envie de le faire. Donc c'est une semaine de découverte, de pleine nature, de vie au grand air, de partage 24 heures sur 24. Donc on va essayer de vivre ça tous ensemble. Nous voilà partis. Ça vaut bien la peine que je te mette de l'argile. Il est parti. Je m'appelle Eric. Je vais donc vous emmener sur les sentiers du Queyras. Et j'espère jusqu'au bout. C'est une randonnée qui est assez bien, je trouve, assez bien foutue. Il y a des paysages très variés. Il y aura un petit peu de tout, il y aura des sommets, il y aura des cols, il y aura des vallées, il y aura des lacs. Donc c'est un de ces jours que j'adore et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, moi, François de Nancy, c'est mon premier séjour. J'ai fait plusieurs sorties et puis ça m'a plu énormément parce que j'aime bien bouger et puis j'aime bien rencontrer plein de gens. Puis, surtout des gens qui ont des gros cœurs, donc ça me fait plaisir. Tu l'as découvert via internet? Non, c'est une amie qui m'a dit parce que je devais partir toute seule dans les Alpes, alors elle m'a dit il faut pas que tu partes toute seule. C'est pas une copine, change de copine. Alors moi c'est Rolande, je suis tombée dans la marmite handicap évasion jusqu'au cou. Je suis là parce que il y a des gens qui veulent bien partager la nature avec moi. Sans ça, pour moi, c'est impossible. Donc, et je crois que vous imaginerez jamais tout ce que vous nous donnez en nous donnant vos muscles. J'espère que ce séjour sera comme les autres, c'est-à-dire fabuleux. Chill. On est en forme, on va le faire. C'est bon. Bien, voilà. Avec deux on a retiré au passage. Ah, celui qui a... qui a serré ça, il a bien fait. Hein. Ça, c'est pas... Il faut laisser le principe. Ouais. Voilà. Oui, il faut ressoulever et bien caler dans le fond. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est parfait. Super. Bon, alors ça va. Allez, c'est bon. Bien serré. Non, ce que tu as oublié, non, c'est ce que tu as oublié sans doute, c'est de faire ça. Ce qui permet de passer. T'as un bob Laisse les freins, enfin bon. D'accord. Parce que si tu le soulèves. T'as jamais essayé, pédalier? Non, jamais. Bon, il est costaud, François. Tu le soulèves pas, lui. Oui, costaud.
Non, mais tu essayes, François, si ça te va. Tu verras. Hein. Et si ça va pas, on le démonte et puis terminé. Hein. Et bien, ils viennent de m'installer sur une joëlette, un peu particulière, parce que celle-là, il y a un pédalier. Alors, bon, bah, ça peut aider un petit peu quand même les accompagnateurs dans les moments difficiles. Quoi. Tu fais du vélo, oui. Bah, écoute, je vais faire la muscu, là. Vas-y. Ouais, en plus, tu vois, tu as des cours de muscu, là, dit. Oh, génial. D'une façon générale, pendant le séjour, s'il y a des moments où vous vous sentez pas à l'aise, où vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, je sais pas, si vous êtes dans un passage, vous vous sentez pas d'assurer, vous vous arrêtez. On n'est pas là pour se mettre dans des situations difficiles. Et je pense qu'on est suffisamment nombreux pour que ça marche. Voilà. Donc pour aujourd'hui, profitez-en, notamment les nouveaux. Essayez devant, essayez derrière. Et on va remonter le vallon par là-bas, voir un petit peu la vallée. Et c'est bon, on peut y aller, Claire. En route. Voilà. Allez, je te laisse aller. Ça suit. Voilà. Les origines, les noms que les Anglais donnent aux Russes. Oh, impeccable. Ça te plaît? Ouais, c'est bien, ça va. Ça fait faire un peu d'exercice. Tu sens la résistance, François? Ah oui, je sens. Ouais. Ouais. Plus ça monte, plus c'est dur. Ouais, c'est normal. Hein. Quand je les vois tirer, je peine. Je peine pour eux, donc pour moi, là, je me sens un peu plus actif. Caillou évité, c'est bon. Donc, Serge, là, tu vises à côté de la petite racine. Hein. Sur la tête. C'est que toi, tu te trouves à 1 mètre de la roue, 1 mètre 50 même de la roue. Donc il faut que tu anticipes vraiment le mouvement, tu vois. En fait, tu vois la joëlette, c'est une question vraiment de manipulation. Hein. Tu peux emprunter du pentu. Si elle est bien gérée, tu fais quand même énormément de choses avec. Hein. Ouais. Alors, on y va. C'est bon. C'est merveilleux, continue. Attends, je regarde ma route quand même. Encore. Tu l'auras, tu l'auras. T'as pas un éventail. Faire encore. Si, il y a un bout de carton. Tu sais, comme autant les... Ceux qui ne sont pas attelés à la joëlette, voilà, ont un petit éventail. T'as trouvé une fonction. Allez, Domi. Oh, voyons, mon cher. La plupart du temps, je chantonne en français. D'autres fois, je me surprends à penser en anglais. Et je suis à ma 7e langue maintenant. Me gusta mucho la montaña porque en ella hay una variedad impresionante de paisajes. You've got at the same time rivers, different kinds of plants, and trees, and cattle. Yeah, you smell all that, do you? El espacio es espectacular realmente, porque a veces cuando hablas el ruido va a revolver hasta tus orejas. Exactly like a bat does. Mm-hmm. Yeah. Un relieve muy interesante de la naturaleza. Oh. Allez, Louis. Voilà, des petits pas impeccables là. Vous montez très doucement. Doucement mais sûrement. Voilà.
Courage. Courage. Le replat est à l'horizon. Un soulagement. Hein ? C'est l'un de moins fatigués. Ah oui. Donc voilà, quand on a un petit coup de main en route, comme ça, ça fait bien plaisir, parce que ça soulage les gens qui font oui, bah, le cirque, moi, c'est pas grand-chose, c'est plutôt ceux qui... Mais c'est toujours ça, oui. Oui, mais... Ça, ça fait ce qu'il peut. Quand c'est raide, on aime bien. Quand ça passe, c'est toujours le bon moment. Ah oui. Quand ça descend, ça va bien, mais quand c'est raide... Et là, c'était raide ce matin. Ah oui, c'était le passage où on vous a croisé, c'était particulièrement... Eh bien, écoutez, félicitations. Merci. Bonne journée et bon courage. Merci, vous aussi. Merci. Je trouve que ce matin, c'est des moments forts. La randonnée, moi, c'est comme ça que je la conçois. Nous, sur la Joëlette, on ne participe pas à l'effort physique, mais dans la tête et dans le cœur, ça cogite. Hein. C'est des moments qui nous rapprochent de la nature comme on l'aime. Et c'est grandiose, en quelque sorte. Donc, on est un petit peu en admiration devant les efforts qui sont faits. Et on se dit qu'on a vraiment de la chance d'être là, quoi. Parce que ça, on peut le rêver longtemps, mais quand on y est, il n'y a pas de mots pour le décrire. Ça passe ou ça craque. Rien n'arrête la Joëlette. Zéro perte. Après, une petite dose d'adrénaline, quoi. C'est quand c'est motion pour les frissons et puis c'est quand c'est admiration pour les compagnons qui tirent et qui poussent. Quoi. Je me laisse aller, je me laisse faire et ça roule. Daniel. Ouf. Une chanson tyrolienne là. Oh, 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 sur la montagne, sur la montagne, il y avait un Dieu chargé. Belle journée. Là. Ah ben, ça s'est super bien passé. J'ai un tout petit peu peur. Mais c'est bien. Chaque heure est différente. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que on ne sait pas l'heure d'après. Donc, on n'a pas peur. Une tartiflette sans four, ça s'appellera donc une rémiflette. Ben pour les randonneurs, moi je trouve qu'il est important de leur faire une nourriture bien nourrissante, qui les cale bien, parce que la joëlette est très fatigante, et donc après un bon plat de polenta, et ben le lendemain ils peuvent faire des 800, 600, 800 mètres de dénivelé sans aucun problème. Allez, Formule 1 là. Il y a du blé si vous voulez mettre dans. Ouais, m'asseoir, manger. Tu rentres une déshabillée comme ça. Tu veux mettre là-bas. Dominique, tu veux des petites choses comme ça dans ton potel? Quand je prends...
pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, je bande encore, mais quand je pense à Lilu, là, je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Voilà, ben ce matin, on est à Saint-Véran, un village assez connu, la plus haute commune d'Europe. Puis là, ben, ça menace un peu, il y a déjà des gros nuages, peut-être un orage qui se prépare, donc on va pas traîner, on va continuer notre chemin. Encore quelques heures qui nous attendent, voilà, on va s'avancer un peu. Quoi. Ah, tu veux le bonnet aussi ? Oui, ça va. D'accord. J'ai vu ça à la télévision une fois, mais bon, c'est la première fois que je le vois de mes yeux. Je pense que c'est remarquable pour ces gens qui n'ont pas l'usage de leurs membres et l'organisation dont je ne connais pas le nom est à féliciter. J'espère que ça va contribuer à certaines personnes à avoir un moral d'acier. L'association Handicap Évasion existe depuis 1988. Elle a été créée par Joël Claudel, qui a inventé cette drôle de machine qui n'a qu'une roue, qui ressemble un peu à je ne sais quoi. Donc Joël avait eu l'idée de créer ça pour son neveu qui était myopathe. Et puis, devant le plaisir que ça lui procurait, il s'est dit que c'était bête qu'il soit tout seul à en profiter. Et tu peux tourner à droite, là ? Ouais. Il a trouvé autour de lui des copains montagnards qui voulaient bien l'accompagner dans les randonnées. Et puis des personnes handicapées qui avaient envie de la nature, qui en avaient besoin. Et c'est parti comme ça, tout doucement. Et puis petit à petit, des séjours d'une semaine en montagne se sont organisées. Bon appétit. Merci. Depuis 16 ans, ça perdure. L'idée perdure parce que tout le monde y trouve son compte. Les personnes handicapées qui ont la chance de pouvoir vivre ça, les accompagnateurs qui aiment faire de la randonnée, mais qui, au lieu de la faire tout seul, veulent bien partager ce qu'ils sont capables de faire avec des gens qui n'ont pas tout à fait la même chance qu'eux. Est-ce que tu sens l'immensité de la montagne ? Ah bah oui, bien sûr, ça se sent, ça. La grandeur, oui, oui. Ça me tâte. Bon, allez. Apparemment, il vaut mieux rester sur la gauche. Hein ? Il vaut mieux rester sur la gauche. Oui, mais ça sera plus facile. Je dégage ce caillou-là et puis ça y est. Allez, c'est bon. Oh. Voilà. Allez, stop, tu t'arrêtes un petit peu. Freine bien. Allez. J'étais content, par exemple, de travailler avec des jeunes, voilà. Là, comme Claire, etc. Bon. Puis de les voir progresser. La relève est là. Et ça, c'est drôlement important. Ça va ? Pas trop dur ? Allez. Moi, je trouve que c'est très important cette mixité d'âge et de toutes conditions sociales. C'est une richesse pour nous tous, parce qu'on côtoie des milieux qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Donc c'est hyper important pour nous tous, et des jeunes, des moins jeunes, des chômeurs, des actifs, des retraités, des entiers. Oui, on revient ici au col de Chamoussière. Ah tiens, il y a Daniel qui serait intéressé par la carte. Ouais. Ouais, tu peux la lui prêter, il connaît à fond. Ouais. Ouais. Et refuge. Alors maintenant, tu essaies de faire notre circuit là. Hein. On l'efface, toi, le massif là. Il est devant toi là. Ici. Exactement. Il est devant toi, c'est ce qui devrait être par là. On va y aller, peut-être. Ouais, on va replier la carte.
J'ai connu un handicap par Internet. T'as commencé sur ce trajet-là ? Parce que je voulais faire la montagne au mois d'août. Et pourquoi avec des personnes handicapées ? Ça te branchait ou pas ? Non, mais j'avais déjà croisé des joëlettes il y a quelques années en montagne. J'avais trouvé ça une bonne idée, donc je me suis dit je vais essayer, quoi, c'est tout. Et ça t'a surpris ce que tu as rencontré là avec des personnes handicapées ? Non, ce qui m'a surpris, c'est le... Au bout d'une journée, tout le monde était soudé, solidaire. Enfin, c'était ce qui m'a donné envie de venir, ouais. De revenir. Ouais, c'est bon d'arriver. Ouais. Ouais, bonjour. Ouais. Oh, ça sent bon. Bonjour, refuge. Là, ça fait pas bien. Merci. Voilà. Allez. Super. Hein, tu peux rentrer là. Hein. Je plus, là. Non, je reste 5 minutes dehors. Hein. Ouais. Pas, alors. Il commence à y avoir des bonnes odeurs de cuisine, c'est bien agréable. Hein. Peut-être qu'on va manger du canard, tu vois, là. C'est bon. T'as vu, c'est beau comme tout. C'est super bon. Alors, ça, c'est moi, avec ma petite filleule. Ta filleule, comment elle s'appelle ? Alice. Et ça, c'est ma maison. Pas la chapelle, celle d'à côté. Ah bah, à côté, et puis là, ça va. Où est-ce que tu as été ? À la plaine. À la plaine ? C'est le fauteuil ski, ça, moi je connais pas. Oui, c'est encore plus de sensations. Bah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Comment peut-on s'imaginer C'est un champ de mine, exact. Difficile. Dur, en montée, une des plus dures. Certainement la plus dure. Ah, je pense, je la monte, plus longue, quoi. La plus longue. La plus longue, différents terrains. Puis en plus, ça fait 3 jours qu'on y est. Caillasse, ça accroche. Et moins de souffle aussi. François, tu peux lâcher la main du frein, s'il te plaît ? C'est déjà assez difficile comme ça. Ouais, François, arrête de freiner un peu, là. Ouais. Non, un peu pour eux aussi. Ah ben, ça mérite à tous les efforts. Hein. Voilà, comme quoi on peut avoir trop chaud, 2900 mètres d'altitude, alors qu'il y a du vent, du brouillard, pas de soleil, c'est possible. Moi j'ai un peu souffert dans le pliéré, je l'avoue, hein, mais plus pour les passagers, parce que je sais pas, j'avais des appréhensions, le terrain était mauvais, ça glissait, donc j'étais inquiet. Mais pas pour moi, pour eux, quoi, c'est tout. Parce que bon, on a quand même une sacrée responsabilité, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et mon grand souci, c'est toujours de les voir arriver sains, saufs, en pleine forme. Et là, bon, j'ai eu un peu peur pour eux, c'est tout. Hein. Lorsque des personnes handicapées viennent sur des séjours handicap évasion, ben vous allez vous défoncer et vraiment vous dépasser, vivre dans des conditions matérielles qui ne sont pas celles que vous vivez tous les jours. Là, vous vous surpassez vraiment. Le fonctionnement de l'association, les séjours qui sont proposés et la façon dont ils sont proposés obligent les personnes valides à se dépasser. Et en fait, c'est peut-être dans ce dépassement que les valides et les personnes handicapées se retrouvent.
Et bon, qu'un séjour soit difficile, ça ne me gêne pas. Et dans la mesure où, ben, ma foi, on devient un peu des surhommes tous ensemble. Oui, mais c'est le sommet déjà. Oui, c'est le sommet, Bachir. Et ne dis pas déjà. Je suis montée tranquillement et puis j'ai été très étonnée en arrivant de voir des gens en chaise tirés par d'autres personnes. C'est merveilleux. Non, parce que quand on a la chance de pouvoir déjà monter en montagne comme ça, on est content de voir qu'il y a d'autres personnes qui le font, quoi, qui peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ça, c'est extra. Ouais. Stop. Hop. Presse le déclic. Stop. Je suis émerveillée de ce que j'ai vu et j'admire la jeune fille qui entraîne ce non-voyant, qui est 100 fois meilleure que nous, parce qu'il a l'instinct, je trouve qu'il a un instinct de marcheur, de montagnard, bien meilleur et plus développé que nous. Qui voyons. Je trouve que l'humanité a des côtés merveilleux et ça remonte mon opinion sur les êtres humains. Je vais vous parler de la formation des Alpes, comment les Alpes se sont formées et je vais essayer à partir de ça de vous expliquer un petit peu pourquoi ces montagnes sont là autour de nous et pourquoi elles ont cette forme un petit peu particulière. La formation des Alpes, curieusement, on pourrait croire que ça a commencé par simplement un soulèvement et puis paf, une montagne est née. Eh ben non. Pour ma part, en fait, je suis tombé dans l'association à 13 ans. J'étais motivé pour découvrir des nouveaux coins de montagne, pour découvrir des nouvelles personnes. Et donc je suis parti en séjour. À 18 ans, 19 ans, j'ai passé un brevet d'état d'alpinisme pour pouvoir encadrer donc des randonnées en tant que responsable des groupes avec un petit peu de vie. Doucement, Tartin, doucement. Doucement. Oh là. Ce que j'attends des personnes qui viennent en séjour, c'est que qui s'investissent dans les randonnées en Angelette, qui participent à la vie de groupe, qui participent à l'organisation générale de la randonnée, que chacun prenne sa place dans le groupe selon ses capacités, selon ses envies, que ce soit pour des personnes en fauteuil ou pour des valides. Ça marche seulement si tout le monde s'y met, seulement si chacun donne du sien, chacun donne de l'énergie. Et en général, je n'ai à forcer personne et ça se passe tout seul. Quoi. C'est très, très naturellement, ça fonctionne bien. Ouais, c'est le principe, d'une équipe, quoi, d'un équipage. On est solidaire, soudé et on va de l'avant. Fort, pas fort. Fort, donc je le laisse. Très fort. Très fort. Bah, il va falloir qu'il y en ait une de nous deux qui descende, quoi. Bah, sinon, on va prendre celle de François, non? Bah, mais celle de François avec le pédalier, c'est pas... Oui. Il faudrait peut-être mieux prendre une Joëlette. Moi, je veux bien donner la mienne. Je prête ma Joëlette pour que ceux qui ne savent pas quelles sont les sensations qui sont les nôtres puissent en profiter et savoir un petit peu ce que l'on vit là sur ce perchoir.
On t'attache un peu. On a attaché tout là. Oui, tout le monde. Très bien qu'elle fasse ça. Un, deux et trois. Bon, par contre, on peut courir hein, si tu veux. Non, c'est pas la peine. Si, si, si. À la descente. Ah, t'es fixe. Ah non, bon, bah, là, moi, je suis contente d'être à l'avant, là. J'ai l'impression. On sent un peu ce que Roland, Dominique, Daniel et François peuvent sentir, quoi. Ça bouge beaucoup, en fait. On regarde bien avant aussi et on voit ce qui va se passer pour prévoir les coups dans le dos. Ouais. C'est bien de l'essayer, je pense. Mais zut ! J'arrive. Allez, verser ! Oh, bravo ! C'est tout, peut-être en train de s'éteindre. Ah, c'est très joli, en fait. Merci. Je dirais que j'ai retrouvé tous les ingrédients qui font la qualité des séjours HCE, c'est-à-dire la convivialité, le partage, la solidarité. C'est ce qui fait leur valeur et un peu leur, comment dire, leur singularité quelque part. Hein. Ce qui fait qu'ils ressemblent à aucun autre séjour. Ben c'est un peu athlétique, mais c'est très sympa. Tant que mais je tiendrai le coup, j'ai envie de revenir. De recommencer. Merci pour vos muscles, mais surtout, surtout, merci pour votre grand cœur. Et je trouve qu'il y a de quoi se réjouir, parce que le monde n'est pas pourri, parce que pendant qu'on rencontrera des gens comme vous, eh ben, il y a lieu d'espérer des belles choses et on les partagera, quoi. Ça m'a donné envie de refaire l'année prochaine, un autre séjour. Et que ça soit l'opportunité de nouvelles aventures, quoi. Il n'y a pas de limite d'âge, les gars. Pas de limite d'âge, non. Dans quel sens? Dans les deux, je te l'ai déjà dit. Je pense que tout le monde sera d'accord pour revenir l'année prochaine. Et j'ajouterai avec enthousiasme. C'est réglé. C'est réglé.